Ah bah oui, avec 26 degrés. Tu peux danser, hein? Ah ouais, elle est comme chez elle là. Impeccable, ma petite vaïnée. 26 degrés, c'est l'été. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bah comme d'habitude, on est samedi après-midi. Ce matin, j'ai travaillé debout à 4 heures. Il est en fait maintenant 14 heures. J'arrive en forêt. Et comme tu l'as vu, hier c'était encore l'hiver, aujourd'hui c'est l'été. Gros changement de temps. Bon, ça fait plaisir d'être en t-shirt, mais le changement est brusque, hein. Allez la compagnie, il nous reste deux spots sur mon premier lot. Il reste celui en haut où je n'avais pas réussi à tout couper faute d'essence et faute de pente beaucoup trop accentuée pour descendre faire le plein et remonter terminé. J'avais prévu d'aller là en haut pour commencer et déclarer la partie haute de mon lot terminée, mais il fait beaucoup trop chaud, hein. Je pense qu'on va attendre des températures un petit peu plus clémentes et on va donc se contenter de terminer en bas cet après-midi. Ça concerne tout ce petit monde. Donc il y a encore quelques coups de tronçonneuse à mettre et énormément de fendage. Ouais, là ça va être moins rigolo. En tout cas, tout est en bas. Comme tu peux le voir, j'ai enfin réussi à monter un petit peu plus proche du tas de bois avec le X-Trail. Donc ça, c'est vraiment cool. Je te souhaite une belle vidéo. J'espère que tu vas passer un bon moment en ma compagnie. C'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. On va utiliser la petite élagueuse pour faire le petit morceau de houppier ici. Puis ensuite, on prendra la style pour débiter le plus gros jusqu'en haut. Et ensuite, on fendra et on ramènera tout sur le tas qui est juste là-bas, à côté de la voiture, à l'aide de mon petit chariot. Allez! Feu, c'est parti, action! Vraiment bien pratique cette petite élagueuse, ça te permet vraiment de bosser à deux mains. Donc là, je m'étais fait un petit gabarit de la taille que je voulais et puis nickel, ça avance. Et puis tu vois, ça coupe quand même relativement gros. Pour le reste, on va sortir la style, on va tout débiter et puis on va se retrouver pour fendre, hein, les amis, hein. Eh oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fendu, dis donc. Allez, on finit de billonner. Ah là là, un tracteur, qu'est-ce que ça me faciliterait la vie. Mais ouais. Mais bon,
Bah, je fais tout à la main, j'aurais peut-être un peu plus de mérite et un peu plus mal au dos. Pour couper le gros, je vais marquer les coupes à faire avec la petite élagueuse. On prendra la style pour débiter. Et dès qu'on arrivera sur un petit morceau récalcitrant, on utilisera enfin le tournebuche. Allez, c'est parti. Fire! Descends déjà. Bon, je crois qu'il y a déjà plus d'essence. Oh là là. Quelle misère. Ah si, il y a de l'essence. Pourquoi tu veux pas t'allumer, Germaine? One eternity later. Bon, ce tournebille, c'est pas au point. Hein. Là, j'ai déjà tordu le manche, comme un gros manche. C'est pas GG. Bon, quand ça marche, c'est pas mal. Hein. C'est, on va dire, comme la green cut. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche moins bien, bah, c'est moins bien. Allez, je continue, je vais tout débiter. La style affûtée, c'est un réel bonheur, hein. Franchement. Allez, je continue jusqu'à en bas. Et ensuite, bah, on ira fendre. Hein. Pour changer.
ça y est, tout est débité, tout est billonné. Cool. Mon petit retourne-bûche, pas mal, mais pas sûr du très lourd. Hein. Va falloir que je trouve une astuce pour modifier le manche, parce qu'en fait c'est un manche démontable à visser. Et comme tu peux le voir, ben, il est plutôt, plutôt un peu tordu. Bref, allez, on va regrouper un maximum sur le tas. Je pense que je vais aller chercher mon petit chariot, qui est toujours camouflé derrière là-bas. Je vais boire un coup parce que la vache il fait chaud. Hein. Et puis ben, on va commencer à fendre sur ma zone de fendage ici. Hein. Toujours je me trouve une petite souche. Alors celle-là pour le coup elle est vraiment petite. Mais ça suffit, ça fait le taf. Allez. Allez, on est sur le poste fendage. C'est parti. On va directement mettre dans la remorque. Et on ira tout de suite les emmener là-bas. Ça c'est du travail. Mûrement réfléchi, du travail de qualité. La joie des nœuds, j'adore. Ouais, joli nœud, il y en a partout dedans. J'avance, je fais que fendre, j'essaye de liquider le tas derrière moi. Bon, comme tu le vois, il a quand même déjà bien diminué, mais là je me tape les plus compliqués. Regarde, attends, on va ouvrir. Voilà, tu vois, ça c'est du bon nœud comme on aime bien, mais bon, on y arrive avec un petit peu de volonté. Allez, j'ai bientôt chargé la remorque, je sais pas si on voit bien d'ici. Et puis bah, donc le but du jeu là, ça va être de terminer de fendre tout ça et puis bah, de descendre la suite pour la prochaine fois. Ouais, c'est pas le plus marrant, mais faut le faire et c'est là que on voit grossir l'état. Allez, c'est parti. Heureusement que j'ai mon petit chariot, hein. ça aide quand même bien, ça aide son homme. 1 hour later. Bon, j'ai encore bien avancé, hein. Il y en a toujours, mais ça avance. Là, je me suis tapé les plus chiants. Hein. Ceux-là, ils veulent pas du tout. Bon, tu auras compris que des nœuds en veux-tu en voilà. Et là, c'est le tout début du tronc. J'arrive même pas à rentrer le merlin dedans. Hein. Ça rebondit, donc c'est que c'est hyper dense. Allez, je vais terminer de charger la remorque. Et puis, bah, je vais continuer de fendre. Hein. Et oui, fendage aujourd'hui. Bon allez, remorque chargée et bien chargée là. Hein. Ok, donc bah, tout le reste, je vais continuer mon petit tas ici, qui va du coup bah, devenir gros. Allez, c'est parti.
il pue. Hein. Celui-là, il pue très fort. Oh! Alors là, respect. Respect, mon ami, respect. Ok, tu veux pas la manière douce, t'as la manière forte. Vive les nœuds. Hein. Putain de fil de merde! C'est qui le patron? Sûrement pas un bout de bois. Hein. Bon. Il me reste plus que ça à fendre. Et puis bah ensuite, on redescendra le reste. Par contre, je vais peut-être essayer de le descendre sur l'autre fendoir parce que là, mon mini machin, c'est vraiment pas stable pour un sou. Ok, allez, c'est parti. On se fend la poire. Que des fils. Que des putains de fils. Combien de coups? Un coup. Yeah. Combien de coups? Un coup. Yeah. Ces putains de fils, j'en peux plus. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Du un coup. Voilà. Reste avec papa, toi. Et toujours ce petit fil qui vient te faire chier. Voilà. Bonjour, je suis le fil, je viens te faire chier. Bon, la compagnie, on est bon, il ne me reste plus que celui-là et les deux infendables, et voilà, tout est fini là en bas.
Il me restera juste tout ça à descendre, mais je le ferai plus maintenant, hein. J'ai plus le temps, il est déjà à 19h. Grosse journée, hein, 4h du matin jusqu'à 19h non-stop. Ça fait beaucoup, surtout qu'il faut encore ranger la remorque à la maison. Cool, bon bah écoutez, on en voit vraiment le bout. Il y a toujours la parcelle là en haut que j'avais pas fini de couper qui me pose problème. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir accéder là-haut, mais si déjà j'ai du mal à rentrer dans le chemin, là en haut ça va être infaisable. Bon, on finira de descendre ça la prochaine fois que je viens. On le descendra sur la deuxième zone de fendage, hein, où j'ai un bio quand même un petit peu plus gros. Là, quand tu vois la taille de ce petit bidule et la taille de ce gros machin, comment te dire que c'est plutôt compliqué, hein. Une après-midi bien remplie, j'ai un des voisins qui est venu me parler 5 ou 6 fois. Donc je suis déjà arrivé à 14h, tu comptes une demi-heure de papote, plus le temps de me mettre en route et tout. J'aurais pas été là bien longtemps, mais j'aurais de nouveau super bien avancé. Le bionnage là derrière est complètement fini, il n'y a plus qu'à descendre et à fendre. Bon, la compagnie, remorque chargée, sanglée, tout est ok. Une belle remorque, hein, avec vraiment du très beau bois. Ça fait bien plaisir. Ce tas-là qui a sacrément augmenté, hein, voire j'en ai commencé un deuxième. Cool, j'ai encore commencé à descendre les rondins que j'ai débité tout à l'heure, ça on fera la prochaine fois. J'espère que le temps sera avec moi encore, que ça sèche encore bien, que j'arrive à monter jusque là-haut, histoire de récupérer le tas qui est là-bas. Ensuite, on descendra le reste de billes, et puis on les fendra, et on verra pour faire un, voire deux, voire trois voyages, hein, au courant de la semaine, vraiment pour dégager au maximum. On retournera peut-être tout en haut, histoire au moins de couper ce qu'il y a encore à couper, de tout ramener au bord du chemin. Je sais pas si tu vois là en haut, j'ai encore des petits tas de bois. Donc ça, pareil, c'est du petit, j'arriverai pas trop à le faire rouler, donc ça risque d'être un peu relou. Allez la compagnie, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça aura été plutôt monotone, mais ça fait partie du boulot, hein. Il n'y a pas que de la tronçonneuse et du plaisir, hein. Il y a beaucoup de fendage, beaucoup de manipulation, tu le sais. Les 7 stères, on va y arriver sans problème. Je dois déjà pas en être loin à la maison, j'exagère un peu, mais pas loin. Il y a encore donc tout ça. Plus tout ça, plus tout ça, plus tout ce qui est en haut. Donc ouais, là on va éclater le score. J'espère donc que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Je te dis à la prochaine. Pour moi, ce sera vraisemblablement lundi. On croise les doigts pour que la météo soit aussi sèche, peut-être pas aussi chaude, mais aussi sèche encore le temps que je revienne. Ça serait vraiment cool que je puisse accéder là en haut. Le X-Trail est toujours en deux roues motrices, c'est de pire en pire avec les freins, mais bon. On fait avec, hein. Si tout était si simple, ce serait trop facile et ce serait peut-être moins marrant. Ce serait peut-être plus cool aussi, mais bon. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses, porte-toi bien. Ciao.